Monsieur Gardet, vous m'entendez? Monsieur Gardet, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, monsieur Gardet. Monsieur Gardet, est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que je fais ici? Je fais quoi là? Je fais quoi là? Monsieur Gardet, ça fait 3 jours que vous êtes là. Vous avez fait une chute en escalade, vous avez plusieurs vertèbres fracturées et vous avez la moelle épinière qui est gravement endommagée. Monsieur Gardet, calmez-vous. Monsieur Gardet, s'il vous plaît, il faut vous reposer, monsieur Gardet, écoutez-moi. Je sens plus mes jambes. Je suis vraiment désolé, monsieur Gardet. Je sens plus mes jambes. Je sens plus mes jambes. Mais t'es encore là, toi? Mais qu'est-ce que tu me veux? Vous saviez que chez les Indiens d'Amérique, le rapace est une incarnation des forces divines? Ils disent qu'ils transcendent les âmes et qui sont en lien spirituel avec les esprits guérisseurs. Ah ouais? Ah génial, ravi de l'apprendre. Tu les as vus là? Oh, tu les as vus? Eh, ça me fait de belles jambes, tu vois. Vous êtes en colère? C'est normal. On croit souvent à tort que dans la vie, tout est acquis. Et du jour au lendemain, nos vies basculent. On se retrouve face à soi-même en se posant des questions sur l'avenir. Eh, hey, Maître Yoda, que je me pose des questions ou pas, c'est la même, non? Je suis vissé à vie sur cette putain de chaise. Et ni toi, et ni tes aigles magiques ne pourront rien y faire. Tu comprends ça? Ok. Bon, écoutez, jeune homme. Quand vous aurez fini de vous apitoyer sur votre sort, contactez-moi. Vous avez perdu vos jambes. Je vais vous donner des ailes. Castel, Mauboussin. Il veut me donner des ailes lui aussi. N'importe quoi. Ouais, Maître Yoda. S'il te reste une place dans ta boîte de conserve volante, ah, je vais bien tenter. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Allez, ok. Qu'est-ce que je fous là? Un tracteur, c'est un terrain agricole ici ou un aérodrome? Y'a quelqu'un? David. Alain. Voici Luc Adrien. C'est le président de Castel Mauboussin. Ah ouais, ok. Bonjour David. Salut.
Bienvenue au club. J'espère que t'as pas trop mangé à midi. Bah, vous avez prévu un resto? Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? On sait jamais. T'inquiète, ça va bien se passer. Ça sert à quoi? Tu verras bien. Rogès, tu te calmes avec l'avion? Une merde, bordel de machine à la con! Oh Alain, dis à ton bleu de respirer, il est en apnée là. S'il nous fait ça en l'air, c'est pas gagné. Oh Jess, mon élève c'est mon problème, d'accord? Alors remets-toi-y, on décolle dans 30 minutes. Je pense que je vais me plaire ici. Vous avez beaucoup d'aide comme ça? Il y a des parachutes dans votre zinc. Il y a un hôpital pas loin, Alain. Oh Alain, t'as la Lara Croft là? À la brevet de mécano? Oh Alain! Oh! Ça sert à quoi ça?
Papa, ça te manque pas de grimper sur les montagnes? Bien sûr que ça me manque. Cette photo que tu avais entre tes mains, elle a été prise quelques jours avant mon accident. Mais tu m'avais parlé d'un grand oiseau, il t'avait fait peur, c'est ça? C'est à cause de lui ton accident? Non, Clémentine, c'était mon ange gardien. Tu sais, il savait très bien ce qui allait se passer. Il a voulu me préserver, il a voulu me prévenir, tout comme je fais tous les matins avec toi tant la veille. Sauf que moi, je l'ai pas écouté. Ah, mais il est gentil alors! Je veux le voir, je veux le voir! Appelle-le, papa! Moi aussi, je veux voir ton ange pour lui demander qu'il me protège. Clémentine, chérie, c'était il y a bien longtemps. Il est retourné au ciel maintenant. Mais si on ferme les yeux tous les deux et qu'on pense très 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 fort à lui, alors il viendra dans tes rêves les plus beaux pour te protéger. Oui, papa, ferme les yeux. Je m'appelle David Gardet. Je suis instructeur de vol chez Castelmoussin depuis 20 ans. Heureux papa et un homme accompli. Le jour de mon accident, tout a basculé en quelques fractions de secondes. Mais ce que je pensais être la fin était en fait juste le début d'une grande aventure humaine qui a donné un vrai sens à ma vie. Suite à ma chute, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont su avec détermination et patience me montrer le chemin vers l'épanouissement personnel. Je pense que chacun d'entre nous a un ange gardien qui nous prend sous son aile, une force bienfaitrice qui tente de guider nos actes et nos pensées, une présence qui nous aide à affronter nos peurs et nous dévoile, quand il le faut, une force insoupçonnée. Alors croyez-moi, il est là, tout près de vous. Mais vous, serez-vous l'écouter? Exaucer, continuer dans sa lancée. Observer les autres mais ne pas arrêter d'avancer. À chacun de nos actes on sera jugé par les uns. Alors pourquoi ne pas continuer de rêver à faire le bien? Dès lors j'ai le mérite car ils font tout pour me briser. Nous opprimer, vous diviser, tant que je respire je peux me relever. Un parchemin intact, mon âme en mode fight. Cet aigle qui me guide, est-ce la réponse à mon handicap? Bénédiction, malédiction, je ne saurais le dire. Malgré la triste situation, j'apprends à me reconstruire. Je prends mon courage, je me lève, merde à l'orage et mes ailes. Assis dans mon fauteuil, tout se passe entre moi et le ciel. Comme une seconde vie sous son aile. Comme une seconde vie sous son aile. Comme une seconde vie sous son aile. Voulant renier la lumière, j'ai dit fuck à ce monde. Alors qu'il m'aime à bras ouverts, j'ai perdu un élément moteur. La marche en gardant les odeurs, la sensation de plus subir ma vie. Je suis devenu acteur, un autre homme, devenu une autre personne, un autre ordre. Je simplifie et ne cours plus pour des sommes. Mon regard prend de l'altitude, escalade les monts. J'ai changé toutes mes habitudes et combat mes démons. Si tu te demandes pourquoi j'ai changé, car la mort a frôlé mon palier. J'ai pris cela comme une chance. Une délivrance. Comme une seconde vie sous son aile. Comme une seconde vie sous son aile. Comme une seconde vie sous son aile. Des fois je parle, des fois je pleure, des fois je ris. Je me remémore toutes ces falaises que j'ai gravies. Oui, cette blessure ne m'a pas laissé au tapis, je redémarre une nouvelle prose. Des fois je parle, des fois je pleure, des fois je ris. Je me remémore toutes ces falaises que j'ai gravies. Oui, cette blessure ne m'a pas laissé au tapis. Au contraire, elle m'a remis le sourire aux lèvres. Prêt à revenir plus fort. Et je lève les yeux vers le ciel, sous son aile. Seconde vie sous son aile.